Et coucou tout le monde, ça fait un petit moment, mais entre je suis malade, la dépression et c'est compliqué à la vie, j'ai pas trop eu le temps de streamer. Donc aujourd'hui c'est plutôt stable et j'ai du temps, donc streamons, voilà, comme diraient les Français. Au programme, attention magie. Paf! Au programme, Katamari Damacy, et puis après on fera un peu de Sumashu. Et si vous trouvez que j'ai l'air de parler du nez, c'est normal parce que je suis malade et que je n'arrête pas de me bouger. Voilà. Ça, il faudra que j'essaye aussi parce que ça avait l'air rigolo. Bref. Attention, au niveau du son, j'ai regardé Vinny y jouer. Le son a l'air d'être fort et il n'y a pas l'air d'avoir moyen de le modifier. Donc si c'est vraiment trop fort, je baisserai le son sur OBS. Vous me direz quand on sera dans le jeu. Mais en attendant, c'est parti! Mais en attendant, attention à vos oreilles. Donc c'est un remake du 1. C'est le 1 mais en HD pour faire simple. Donc c'est cool. Alors le roi, tu es beau, mais 2 secondes. Est-ce que c'est mieux là? Encore un peu, ou ça va? Encore un peu fort. Et coucou Idol. Alors on va baisser encore un tout petit poil. Là, ça devrait être bon. Attention. Est-ce que c'est bon ou c'est encore un peu trop fort? Cette cinématique est tellement magnifique. Un peu fort. Baissons. J'accepte. J'ai tout lu, j'accepte. Ah, oui. Oui. Incroyable. Ah, bonjour, prince. C'est le roi. Ça fait longtemps. Oui. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui était le jour parfait pour rouler le catamaran, le prince. Là, ça a l'air d'aller? Ah oui, non, mais moi j'accepte tout, hein. C'est bon, ils peuvent tout faire. Roulez, le reste suivra. Roulez, roulez, roulez! C'est uniquement pour ça que nous avons pris la peine de créer cet espace. Le roi de tout le cosmos qui se donne toute cette peine juste pour faire rouler un catamari simplement pour ça. Donc, nous voudrions que vous commenciez à le faire rouler, mais... M-A-I-S? Commençons par le commencement. Le prince aime-t-il les vibrations? C'est-à-dire les mouvements et le tremblement. Non, non, je déteste ça. Sans rien, c'est mieux. J'adore quand c'est un naturel. Si c'est ce que vous voulez, que vous en êtes sûr, alors vous pouvez désactiver. Vous pouvez activer et le désactiver avec le bouton moins sur la manette. Tout est bien clair, vous vivez bien. Nous nous reverrons plus tard. Moi, je veux des vibrations. Bon, je passe un peu parce que c'est le tuto et que je m'en fous. Super, incroyable, incroyable!
Voilà. L'histoire de Katamari Damacy, c'est quoi? C'est ça. Voilà. L'histoire du premier catamaran, c'est ça. Vous avez compris. Non, en effet, ce n'était pas un rêve. Nous avons réussi. Le roi de tout le cosmos l'a vraiment fait. Un ciel plein d'étoiles, nous l'avons cassé. Oui, nous avons été vilains, vraiment vilains. Nous sommes tellement désolés. Entre vous et nous, ça nous a fait du bien. Nous ne nous en souvenons pas très clairement, mais nous étions en communion avec la nature. Nous avons ressenti la beauté de toutes choses, ainsi que l'amour pour tout. C'est ainsi que ça s'est passé. Vous avez vu, nous avons souri d'un véritable sourire. Vous avez vu, les étoiles brillent d'une beauté parfaite. Bah non, elles sont cassées. Il y en avait tellement, c'était presque une nuisance. Maintenant, il n'y a plus que les ténèbres. Ce n'est rien qu'un rêve, mais un joli rêve. M-A-I-F? Cet instant miraculeux et fabuleux est passé. C'est terminé. Nous sommes arrivés et nous avons trouvé tout le monde furieux. Même le roi de tout le cosmos n'a pas été épargné par leur colère. Vraiment, tout le monde était fâché. Bref, cher prince, oui parce qu'il est en tout petit en bas, c'est la crotte verte, c'est son fils, le prince, il est juste là. Dépêchez-vous de ramener ce glorieux ciel étoilé. Notre problème est votre problème, d'accord? Vous, pardon, devez votre existence. Nous ne faisons que récupérer notre dû, d'accord? Main dans la main, toujours là, l'un pour l'autre, d'accord? C'est la définition même d'une relation père-fils, d'accord? Il n'y a plus de respect pour le prince. Hein. C'est une crotte verte. Très bien, commencez. C'est parti. On peut pas lui désobéir et commencer à rouler sans, pendant qu'il parle. Mais oui, on est si petit. Bon, allez! Ah, ta gueule! Voilà. Katamari Damacy, c'est enrouler des choses. Bah dans Wheel of Katamari, dans Wheel of Katamari sur PS2, on peut commencer à rouler quand il est en train de parler. Et du coup, le roi commence à dire « Oh là là, c'est terrible, ce jour est arrivé, le jour où le prince nous a désobéi, ne nous a plus écoutés, il n'y a plus aucun respect. » Mais là, il l'a pas fait, on peut juste le skip. Oh, des pièces de dixième que je rate, c'est magnifique. Donc ça c'est le premier, mais en plus joli. Possiblement aussi en français. Parce que je sais plus s'il était en français. Je sais plus s'il était en français à la base le premier. Bon là du coup comme c'est le premier monde, il nous arrête à 10 cm. Mais vous allez voir que le catamaran, il peut grandir, grandir, grandir. Ah bah oui, ça, Katamari, j'ai quelques roulages dans les doigts. Non. Alors, notre Katamari est composé d'encas, de papeterie et de fruits. Ce qui nous donne une étoile. Bouchée furtive. Magnifique étoile. Où était-je le roi?
faut sauvegarder, sinon ça ne marche pas. C'est où qu'on sauvegarde? C'est là? Oui. Sauvegarder. Na. Oui. Alors. Nous avons notre première mission, qui était faire une étoile. Nous avons notre deuxième mission, faire une étoile 2. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre. Magadang Tangadipo. Avez-vous déjà été aux Philippines? Nous y sommes allés avant-hier. Nous espérons que vous pourrez y aller pendant la journée, comme si c'était possible. Oh, oh oui, un cadeau royal pour le prince assidu. C'est ce que nous pensions quand nous tentions d'attraper votre cadeau. Et il est venu sur Terre. Il est tombé, comme ça, sur Terre. Ça doit être bien... Ça doit être bien quelque part, alors roulez si vous l'apercevez. Roulez dessus si vous l'apercevez. Non seulement ça me fait bizarre que je sois en français, mais en plus je sais pas lire. C'est terrible. Attention, le roi envoie la beauté. Ah, il envoie aussi le cosmos et le Bing Bang sur la Terre, on est pas dans la merde. Donc voilà, normalement, chaque niveau se compose comme ça. On a une taille à atteindre et... un temps pour le faire. Donc là, il faut que j'atteigne les 20 cm en 7 minutes. Est-ce que je peux rouler des gommes? Non! Je peux pas rouler des kéfis gommés. Mais poussez-vous les grenouilles! Mais c'est vrai que la maniabilité du premier est légèrement différente de celle du deuxième. C'est pas évident à prendre en main la première fois. La souris qui veut me casser la gueule. Salut Sancho. Ah. Oui. Un escargot. Alors il y a toute une physique et le katamari aussi a sa propre physique, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien rond, il va pas rouler bien droit. Donc c'est un peu compliqué des fois à gérer. Donc là, j'ai atteint une nouvelle taille, ce qui veut dire que je peux rentrer dans une nouvelle zone. Parce qu'il y a certaines zones qui ne peuvent être débloquées qu'à partir d'une certaine taille. Et elles sont symbolisées par des barrières, vous allez voir. Voilà, ici. Il fallait faire au moins 10 cm pour rentrer dans cette zone. Le cadeau! Oui! Ha ha ha!
C'est lui qu'on a besoin pour être tout sur Terre, c'est ça. Et tout transformé en étoile. Donc là, on a atteint la taille minimum, mais si on veut, on peut continuer pour essayer d'en faire un plus gros. A chaque fois qu'on se cogne, on perd potentiellement des objets, donc il faut faire gaffe. J'ai pas grand chose à raconter sur du Katamari, parce que en général je suis assez concentrée pour essayer de rouler droit, mais ça marche pas toujours très bien. Des petites maisons. Bon, tant pis. J'espère que j'ai pas fait tomber le cadeau. Bonne année! Ah, on est presque dans le thème, hein. On est presque dans le thème. Vas-y, je veux l'avion! Je veux l'avion! Je veux l'avion! Ça marche pas. Ah, au secours, je suis coincé. Oh là là, je fais tout tomber. Oh là là, il y a tout qui tombe. Hop, les piafs. Oh là là, mais il y a tout qui tombe dès que je me cogne quelque part. C'est terrible. Et voilà. Bon. On devait faire 20 cm, mais on en a fait 36. Je pense que le roi sera content. Ah là là. Ah oui, le cadeau royal. On a plus collecté de papeterie, ensuite des encas, puis la cuisine. Donc, une étoile papeterie. Excellence! Nice. Soro soro shuppat shimasu yo. Hai. Ringi news desu. Koshizora ga totsujo nakunatte shimaimashita. Geiin wa genzai chousa chuu to no koto desu. C'était un bout d'histoire. Sauvegardons.
Les cadeaux! J'ai une écharpe! Je suis beau. Alors sur cette planète, on choisit le cousin qu'on veut jouer. Donc on peut jouer. Mais reviens petit con. Il y a Kuro. Ici, on a Marcy. On en a plein. On a Nick, June. Ah! Il y a Havana. Il y a Ace. Et donc on peut choisir, on peut jouer à deux et on peut choisir ce cousin par exemple. Ah, on peut pas changer. Ah d'accord. Bah, dans le premier c'est pas possible. Dans le premier c'est pas possible, mais dans le deuxième on peut jouer en tant que d'autres cousins. Donc, par exemple dans We Love Katamari. On peut être le cousin Ace, on peut être le cousin Havana, etc. etc. Ah au fait, toutes les étoiles ont disparu, bien, c'est la fin. Faire le cancer, allez. Créons le cancer. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui cloche. Oh, oh oui, nous avons compris. C'est juste que ça n'a pas l'air bon. Ce ciel n'a pas l'air délicieux du tout. Tout le monde a encore faim, non? Vous ne voyez pas? En parlant de choses délicieuses, nous aimerions bien du crabe. Oh oui, du crabe. Et oui, je vais te créer, tu as l'air bien délicieuse. Le roi, attention, le roi il va te bouffer. Si j'étais toi, je me cacherais. Regardez, il y a des crabes partout! J'en ai déjà attrapé, regardez, j'ai déjà un objet alors que j'ai même pas bougé parce que il m'a foncé dedans. Oui! Allez, chute. Superbe. Oui! Il y a des crabes partout! Il est où le petit crabe? Bon, on y va. Ah, il est là! Petit crabe! Petit crabe! Oh, il y en a plein là! Hop là! Bim! Bon, c'est pas grave. J'attendrai celui sur le mur plus tard. Des crabes avec des flingues! Il est où le crabe que j'ai perdu? La gueule, là. Hop là! Reviens! Oh là là, je me prends tous les murs. Des crabes avec des fers à repasser. Alors vous m'excuserez, madame, je ne fais que prendre votre plat. Et vos crabes. Allez, viens là.
Oh là, il y a un truc qui m'a éjecté, je suis partie directement sur la gauche alors que j'étais bien en route. Oh! Bon, c'est pas grave. Bon, est-ce que tu peux monter sans casser des trucs? Depuis tout à l'heure, j'ai essayé de monter sur le petit rebord. Le catamaran, lui, faisait casser que nous. Je trouve que la maniabilité du deuxième est quand même plus confortable. Je suis trop gros pour aller par là. Vas-y, donne-moi ton bol. Merci. Alors, est-ce que cette fois-ci je vais pas me faire mystérieusement éjecter? Non, ça va. Parfait. Il y a un crabe là. Hop. Un crabe violoniste, rien que ça. Ah ah, j'ai chopé le pipi. Hop. La technique secrète du j'attends quand il y a un objet qui bouge, comme ça je chope tout ce qu'il y a dessus. Ah mais non, mais je prends encore tous les accidents. Il y a des crabes qui repop. Alors comme je suis chronométré, des fois je rattraperai le chat après, hein, donc... Ne vous étonnez pas si je ne réponds pas tout de suite, c'est normal. Vous comprenez, la capture de crabe, c'est un sport où on rigole pas, attention. Ah non! Encore un accident. Alors... Le crabe en peau, il est où? Là. Bim. Capturé. Il y a un petit crabe. Paf. Petit crabe. Ouais. Je peux pas grimper plus haut. Il y a l'objet que j'ai perdu. Bon, je pense que c'est bon. Je sais pas. Je sais pas s'il en reste ailleurs des crabes, mais je pense qu'on est pas mal. Et c'est vrai que le timer est pas du tout stressant. Le crabe est un hack du coup. Ah bah vu le nombre qu'il y en avait Là oui, on peut carrément parler d'un élevage de crabes, effectivement. Est-ce que je vais faire le mode histoire? Bah j'en sais rien parce que je sais pas comment est le jeu, donc je sais juste que je vais jouer mais je sais pas comment. Salut 13. Alors, trop de crabes et c'est un peu dégoûtant. Oh bah alors, non mais l'autre, hein. 110 crabes, fabuleux, mais oui.
Enfin, il en bave. Et oui, la petite fille est en communion avec le cosmos. Elle peut ressentir les choses. Et du coup, on pourra refaire la mission si on veut. On peut refaire toutes les missions d'ailleurs. C'est elle, masque de mort. Alors, il y aura un cadeau dans le niveau. Et il parlait du Portugal. Voilà. Non, je l'ai acheté, oui. C'était un achat obligatoire, Katamari Damacy. Enfin, oui. Katamari Damacy Reroll. Allez! Oh là là, mais toute cette vitesse, je roule trop vite. À moi les papillons. Oh non, il a foncé dans le mur alors que j'avais réussi à l'étourdir. Voilà. Il y en a qui ont beaucoup raté leur tir à l'arc. Hein. Je suis sûre que c'est de la faute à Léo. Du PQ. Non, je suis trop large. Alors, il veut un peu de chocolat, mais comment dire? Je ramasse ce que je trouve. Hein.
Ah, c'est terrible, j'arrête pas de me cogner. Encore un crabe, oui! Alors, je pense à ce pauvre type qui s'en était à certaines nucléaires tout droit. Oh bah! J'ai ramassé tellement de choses. Toi aussi, tu veux un peu de chocolat? Faut demander au prince. Faut voir ce qu'il y a à rouler. Non mais monte les escaliers et arrête de te casser la gueule. Ah. Allez, monte. Tu peux le faire. Voilà. Voilà, merci monsieur pour votre petit déjeuner. Je ramasse vos carottes. La récolte est bonne. Oui. Oh là là, mais je perds tout ce que je ramasse parce que je me cogne partout. Oh la pizza. Déjà. J'ai pas le droit de ramasser la pizza. Allez, monte. Allez, monte. Et les takoyaki. Est-ce qu'un jour j'aurai le droit de voir quelque chose? Non. Oh là là, mais je casse tout! Je casse tout mon beau catamaran! Alors que j'ai toujours pas trouvé le cadeau. Le mini. Tu veux prendre la pizza? Oui. Oh, le château de sable qui me résiste encore. Tiens, le takoyaki là.
Allez, monte. Mais non, mais monte les escaliers au lieu de te casser la gueule. Tout ça pourquoi? Pour ne rien voir. Oh, c'est terrible. Allez, fais quelque chose. Bouge dans un sens. Bon. Coucou les amis. On n'a pas trouvé le cadeau. Il faudra revenir plus tard pour essayer de trouver le cadeau royal. Mais oui, ces jeux, ils sont vachement bien. C'est vraiment incroyable. Alors, nourriture japonaise, cuisine et récréation. Très bien. Oh, c'est si. Quel incroyable suspense. Alors, on a faire une étoile 4 et c'est tout. Alors, allons faire une étoile 4. Buenos dias, bien, bien, faire un cadeau. Ah, il y a un cadeau. Il y a un cadeau dans ce niveau aussi. Très bien. J'ai gentiment dit ta gueule au roi. Oh là, il va super vite le catamaran. Il y a des moustiques morts. Attendez, hop là. Autour de l'anti-moustique. Vous avez vu, c'est réaliste. Parfait. Casser la maison des souris. Allez, avance. Enfant mort dans un tombeau mort. Quoi? C'est terrible.
Ah! Je me suis pris un ours qui voyageait en panier. Oh, mais cassez-vous les ours en panier là! Faut faire 20 cm. Mais ils sont chiants ces ours en panier! Ah, je me fais bolosser de tous les côtés! Pourquoi le chat il a un croissant dans sa gamelle? Je vais aller ramasser des pastèques. Non, je suis pas assez grand. Voilà, parfait. Oui, à moi la pastèque. Non mais ça va, arrête de bloquer sur la règle. J'ai pris le croissant du chat. C'est bien, on fait la poussière. On leur nettoie leur sous-sol. On est sympa, hein, franchement. Hop. Plus de PQ. Oh le paquet cadeau, il est là le cadeau mais je suis trop pur. Salut Ruka, hey. Je vais voir si je peux ramasser le cadeau maintenant. À condition d'arrêter de se prendre tous les murs, je suis bloquée. Non, je suis tombée. Non mais, colle-toi pour monter. Voilà. Ah. Ah mais. Voilà. Bon, et tu te casses le golfeur?
l'autre. Il pense que c'est chez lui, alors il fait du golf et puis il m'empêche de rouler. Bon, c'est peut-être chez lui, mais c'est pas grave, c'est un détail. Que là tout se passe bien. Il y a que les policiers qui réagissent. Il y a que les policiers qui nous tirent dessus. Mais on verra ça plus tard. Mais sinon, en général, ouais, la plupart des gens s'en fichent. Pécho la télé. Ah, si je pouvais arrêter de me cogner dans tout ce qui passe. Le chat. Non mais monte au lieu de te cogner. Monte, voilà. J'ai eu la gamine. Oui. Yeah, I understand that you are English, but I'm mostly speaking French, sorry. I can't speak English, but I'm gonna forget a lot to speak English, so sorry. But please enjoy the stream. Alors, le cadeau. Oh oui, la ceinture de champion. Alors, on a le plus de jeux, puis sport et récréation. On est très, très jeux. Ensemble de jeux. Regardez comme on est beau avec cette magnifique ceinture de champion. C'est juste con qu'on puisse pas le combiner à l'écharpe. Dans le deuxième, on peut avoir plus d'un accessoire, donc c'est quand même un peu plus sympa. I like to watch people play a lot. Language doesn't bother you. Okay. Well, I'm gonna play some more of Katamari, and after that, I'm gonna do some Smash. Alors, on a faire une étoile ou faire le signe. Faisons le signe. Let's go swan. Ça manque de grâce sur Terre.
film programme éléphant, girafe, mouton, alligator. Alligator gozaimasu. Ouah, il y a un truc qui m'a éjecté. Oh là là, je me fais bolosser par les pièges à souris. Excusez-moi, pardon, je suis juste là pour vos œufs. Ma mère, elle est venue à la maison, elle a vu le dessin, elle a dit qu'il était vachement chouette. Du coup, merci encore. Ah! C'est vachement sympa Katamari, il faut juste s'habituer au contrôle, même moi qui ai l'habitude des contrôles de Katamari, je sens que le maniement est légèrement différent comparé à celui sur PS2 par exemple, mais une fois qu'on s'y fait c'est vachement sympa. Il y a un mode donc multi, où on contrôle du coup un prince et un cousin, votre ami contrôle un cousin. Et vous pouvez du coup faire des katamari à deux. Alors je crois que c'est chacun a une direction en fait. Vous êtes à deux sur le même katamari. Et ça peut très vite devenir bordélique. Et je me souviens que j'avais essayé, c'était assez chaotique. Je perds tous mes œufs. Putain, mais arrête de te cogner, je veux juste monter. I used to play a lot of We Love Katamari. And a thing that annoys me the most in this one is every time you just dump into something, you lose so many items. I'm so glad they fixed that in the second one. But in the first one, it's kinda headish. You like you try to go somewhere, to climb a wall, to climb a thing, and you just like nope, accident, and boom, item gone. Mon caneton. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Mes canetons qui s'en vont.
Mais je veux juste monter. Enfin, j'en perds 4 pour ramasser 4 euros. C'est pas top. Un sushi œuf, ça compte. Stupide prince. Oh mais ça ne va pas éclore, c'est du sushi. On sait jamais. Stupide prince, stupide roi, oui. Ah et au fait, la version la version 2.0, on va dire, de Stardew Valley est sortie ou sort aujourd'hui. Donc ça veut dire que un de ces quatre, on reprendra les streams de Stardew Valley pour voir le nouveau contenu. Dans la tête du prince quand il monte. You never seen someone get 100 on the table. Yeah, it's pretty hard to get all the egg or the crabs or stuff like that. Yeah, he's never proud. Ah non, mais on parle mal au roi du cosmos, mais en même temps lui aussi nous parle mal alors, hein. Ouais, à voir pour le multi. Moi, c'est pas le côté multi qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le côté nouvelles aventures. Qui m'intéresse le plus, mais on pourra y jeter un œil éventuellement. Salut Mutika. Des plumes partout. Le cygne. Ça y est, yoga est de retour. Par le pouvoir du cygne. Ah bah non, le phénix, c'est Iki. Oh yeah, I don't like the cow and bear level. Either in this one or in the second one, because there's so many tiny, little tiny bitty stuff that are so small that you can never see, and then boom, your level's done because you roll onto a cow or a bear.